L'honorable député de Québec. Merci, Monsieur le Président. Il me fait vraiment plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur l'un des dossiers qui me tient le plus à cœur, puisque c'est l'un des dossiers sur lesquels je me suis prononcée depuis le début. Je ne compte plus les conférences de presse à Québec et Ottawa que j'ai faites sur le Centre de recherche et de sauvetage maritime de Québec, que j'ai faites sur le seul, l'unique, seul centre de sauvetage, en fait, officiellement bilingue au pays. Comme vous savez, à chaque fois, plus de 50 questions, en fait, en Chambre, j'ai interpellé le ministre des Pêches sur le fait qu'il était important que le Centre de recherche et de sauvetage maritime de Québec demeure ouvert, qu'on ne le ferme pas, qu'on ne recule pas 35, 36 ans en arrière maintenant, comme justement ce gouvernement conservateur a l'intention de faire en fermant ce centre-là. Lorsqu'il a été créé, le Centre de Québec, il a été créé justement pour répondre à deux besoins. Le premier étant, bien sûr, la connaissance de la langue française, la maîtrise de la langue française même lors d'appels de détresse, et aussi les connaissances géographiques de tout le littoral du fleuve Saint-Laurent, de ces îles, par exemple, qui ne sont pas répertoriées sur des cartes, de tous ces endroits, tous ces recoins. Malheureusement, à chaque fois, le gouvernement a fait la sourde oreille. On n'a rien entendu de, justement, la pertinence de ce centre-là. Un rapport du commissaire aux langues officielles a été déposé. Il a annoncé des critères à respecter très importants, une présence bilingue suffisante dans ce transfert du Centre de Québec vers Trenton et Halifax. Or, jusqu'à ce jour, on dénote encore tous les problèmes. On n'a pas encore, semble-t-il, une présence bilingue suffisante. Mais justement, on attend l'avis du commissaire aux langues officielles, mais aucun changement n'a été apporté jusqu'ici depuis le premier rapport qui a été déposé en août passé. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire au NPD, c'est de créer un... En fait, comme ils n'ont pas voulu entendre ce débat-là, même au comité des langues officielles, ni même aux pêches, à chaque fois on renvoyait la balle, on ne voulait rien savoir d'entendre ce que les gens avaient à dire là-dessus. Et nous, on a créé un comité parallèle à Québec pour parler de ce problème-là. Un message qui a très bien passé parce que justement, les gens sont inquiets. Ils sont inquiets de voir que ce qui est au cœur même de cette fermeture du Centre de recherche et de sauvetage de Québec, c'est la question de la langue française. C'est la question de pouvoir travailler en français, de pouvoir faire un appel de détresse qui soit coordonné en français. C'est qu'une famille de plaisanciers qui est sur le fleuve, qui puisse être à proximité de là où il y a un incident, puisse interagir, intervenir. Et dans cette coordination-là, ça prend du monde bilingue, ça prend du monde qui comprenne aussi bien dans les états de détresse, justement, en français ou en anglais. Ça ne nous en prend pas un par centre à Halifax ou à Trenton. Ça en prend plus que ça. C'est important. Et c'est ça qui est important que ce gouvernement-là comprenne, que ce gouvernement conservateur, majoritaire, qui veut rien entendre, cette fois-ci, réponde. Il y a eu 3 sourcils jusqu'à présent. On a étiré les délais. On ne pouvait pas fermer justement en avril. On ne pouvait pas fermer à l'automne. Là encore, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Moi, ce que je propose, avant que ça coûte 3 fois plus cher, là, parce que c'est ça aussi qui est en question, plus que la sécurité des francophones. Il y a de l'argent aussi qui est en jeu, ça pourrait peut-être intéresser les conservateurs à ce niveau-là. Est-ce qu'on a l'intention, oui ou non, d'abandonner ce dossier-là et de garder le Centre de Québec ouvert? Merci, M. le Président. The Honorable Parliamentary Secretary to the Minister of Fisheries and Oceans. Thank you, Mr. Speaker, and I appreciate the opportunity to respond yet again to concerns raised by my colleague, the member for Quebec, about the consolidation of the Marine Rescue Subcenter currently located in Quebec City. In fact, we've had this discussion before. I find it interesting that this issue continues to be raised even after we have witnessed the successful transition of the consolidation of the Rescue Subcenter in St. John's into the Joint Rescue Coordination Center in Halifax. Search and rescue coordination and response continues to be provided at the same level of service today as it was when the Marine Rescue Subcenter was in place in St. John's. Nevertheless, we need to continue to ensure that the facts are reported accurately to assure Canadians that their safety will continue to be a priority.
In particular, I want to refer the member to a statement made by the Canadian Coast Guard on March 28th, and let me quote a couple of paragraphs. They said in that statement, Coast Guard recognizes that the government must be absolutely confident that strong French language services are in place before any changes proceed. Therefore, Coast Guard officials will engage with the Official Languages Commissioner to ensure French language services out of JRCC Halifax meet or exceed current levels. They went on to say, Coast Guard will delay consolidation until such time that the Official Language Commissioner shares the Coast Guard's level of confidence in the bilingual capacity at the JRCC Halifax. In fact, if she hasn't already, I would encourage her to review the statement in its entirety. But let me emphasize again that we are fully aware that the provision of bilingual services is critical, particularly when it comes to a safety service such as maritime search and rescue. Recognizing this, the Canadian Coast Guard has taken steps to address this important issue. In fact, we have increased the required level of language proficiency for the maritime search and rescue coordinators at the rescue coordination centres. Language training and maintenance plans have also been developed so that we can ensure that we are meeting our official language obligations in the most effective way. This change to how we organize search and rescue coordination services would not be made if there was any evidence that it would impact the safety of Canadians, wherever they may reside and whatever their official language of choice, and we will, of course, be receptive to the current review of the Official Languages Commissioner. As we have stated many times before, this change does not affect the availability of search and rescue resources. Coast Guard ships and the Coast Guard Auxiliary will continue to respond to emergencies as they have previously, with the Joint Rescue Coordination Centres maintaining the current levels of service provided by the Canadian Coast Guard. The plain fact is services will always be available 24 hours a day, 7 days a week, in both official languages. Canada is an international leader in marine safety, and the Canadian Coast Guard Search and Rescue Program is among the best in the world, and it will remain so. We will continue to ensure that timely and appropriate maritime search and rescue coordination and response services are available to all mariners. So let me conclude with the assurance that any changes to the Quebec Marine Rescue Subcentre will occur only when we have full confidence that the same level of services can be provided and public safety assured. The safety of Canadians remains this government's top priority, and the excellent standard of maritime search and rescue that Canadians have come to expect and indeed depend upon will continue to be met. Thank you, Mr. Speaker. Honorable député de Québec. Bon, mais je suis contente de voir que de l'autre côté, on semble comprendre que ça marche pas parfaitement, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens avec une question ici. Parce qu'à chaque fois, ça marche pas. Encore dimanche dernier, là, on parlait justement, ben, en fait, hier, on parlait de cette question d'un appel de détresse, en fait, qui est lancé par le Centre de Québec, parce qu'on est très inquiets à cet endroit-là. Il y a quelques semaines, c'était des pilotes sur le Saint-Laurent qui disaient « Mon Dieu, on n'arrive pas à communiquer en français, on dirait qu'on n'est pas entendu en français ». Et c'est suite à ces appels-là que moi, bien sûr, je reviens à la charge et je demande qu'on rende des comptes. Mais ce qui est important, c'est de parler de la simulation ratée qui a eu lieu le 27-28 février. Une simulation terrible, terrible alors que des effectifs, en fait, il y a eu plus d'effectifs que la normale lors d'une simulation. Une simulation qui était somme toute banale. On a mis plus d'effectifs, notamment bilingues, que normalement on en met. Parce qu'on se disait probablement que là, ça va marcher, fait que ça va comme nous consolider nous autres là-dedans. Mais ça a été un échec. Bien ça, c'est lamentable. C'est lamentable. On devrait prendre acte de ce qui s'est passé, de la simulation ratée qui a eu lieu, de tous ces échecs dans ce dossier-là, puis être grand, puis faire revenir en arrière dans cette décision-là, parce que ça n'a pas de bon sens. The Honorable Parliamentary Secretary.